Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une nouvelle fois dans notre émission Entre les lignes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité. Nous allons nous étendre particulièrement sur la question de l'Union sacrée de la Nation. Comment se vit l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme qui n'est pas électorale, comment va-t-elle se comporter aux élections de 2023. Nous allons nous étendre également sur, particulièrement sur l'AFDC, cette force, cette famille politique alliée à l'Union sacrée, membre pardon, de l'Union sacrée alliée au chef de l'État, qui ne jure que par l'élection du président Tshisekedi en 2023. L'un des rares partis, l'une des rares familles politiques a déclaré la candidature, à soutenir la candidature du président Tshisekedi en 2023. Je reçois un haut cadre de cette famille politique, Éloge Mondoué, qui je reçois souvent dans Grande Tribune, mais aujourd'hui, il me fait l'honneur d'être dans ce face-à-face, dans Toutes les lignes. Éloge Mondoué, c'est un plaisir. Bonjour et merci beaucoup d'être avec moi pour la première fois. Bonjour, Monsieur Dan, et merci de nous avoir reçus dans cette émission Entre les lignes, et nous trouvons cela comme un honneur, et permettez à ce que nous passions aussi nos félicitations, parce que ce sera la première fois que je passe ici depuis qu'il a été élevé au rang de président de CESAC. Je ne sais pas si c'est l'ancien ou toujours DG, le président Bossembe Christian. Oui, oui. Merci beaucoup Monsieur Éloge Mondoué, pour votre marque de soutien et de considération pour Monsieur le DG, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président du CESAC, oui, oui. Monsieur Christian Bossembe, merci beaucoup de cet honneur. Alors, vous aviez suivi d'entrée de jeu, on va directement aller sur cette question de l'Union sacrée de la Nation, particulièrement Moïse Katumbi aujourd'hui, qui se déclare candidat président de la République, c'est qui est légitime, mais... D'abord, comment avez-vous accueilli le fait qu'il déclare sa candidature? Permettez aussi à ce que je puisse présenter, mais c'est sans condoléances, aux familles des Quinois et Quinoises qui ont perdu l'un de leurs, et aussi à tous nos compatriotes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de perdre les leurs au niveau de la partie est à cause de cette guerre injustement nous imposée, et aussi remercier le chef de l'État pour sa manière de compassion envers le peuple congolais et cet amour qu'il porte toujours en lui pour ses compatriotes. Oui, la question est de savoir... Au fait, vous cherchez clairement à connaître ce que nous pensons de l'Union sacrée. Mais d'abord, le fait que vous avez un de vos membres qui se déclare candidat président de la République.
Donc vous avez deux candidats, président. Président de la République. Donc c'est ça, au fait, vous voulez comprendre réellement c'est quoi l'Union sacrée et pourquoi cette cacophonie et autres. Personnellement, je ne connais pas la position de Monsieur Katumbi comme membre de l'Union sacrée, je ne le sais pas, mais néanmoins, nous avions eu à entendre certains de ce porte-parole, et là, je prends l'exemple du député provincial Mike Mukibai. Il y a le cas de Monsieur le doctorant Onyumbe, que je salue en passant, un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui nous ont fait comprendre qu'ils n'avaient rien à voir avec l'Union sacrée. Donc pour eux, l'Union sacrée était juste un moyen de se faire une santé politique, d'exister politiquement, mais ça ne leur engageait en rien. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, la déclaration de M. Katumbi comme candidat président ne concerne pas l'Union sacrée, et je crois que tous les membres de l'Union sacrée ont un candidat, ceux qui se sont déjà proclamés et ceux qui ne se sont pas encore proclamés, et ceux qui sont proclamés comme nous, notre famille politique, avec l'autorité morale, le président Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, nous nous sommes déclarés comme quoi nous avions un seul candidat, et c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous l'aviez d'ailleurs annoncé. Et donc au sein de l'Union sacrée, si on doit parler élection au niveau de la présidence, nous n'avons que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc on n'a pas de candidat au sein de l'Union sacrée. Quel sera l'avenir de ces ministres qui viennent d'ensemble pour la République au sein de l'Union sacrée? En fait, vous comprenez déjà que nous sommes dans une politique où un individu ne pense pas à l'avenir politique de ses camarades. Un individu, du fait qu'il ne pense pas à l'avenir politique de ses camarades, il ne pourra pas penser à la vie du Congolais. Donc il est dans un agenda où tout est autour de son nom. Et surtout sans pour autant oublier que le président Katumbi n'est pas à son premier coup. Et pourquoi choisir seulement l'année électorale pour maintenant déclarer tes ambitions d'être candidat à président? Parce que en 2016, il avait fait. Alors que c'était le tout-puissant gouverneur de cette République. Pourquoi tout-puissant? Parce qu'il gérait la toute-puissante province du Katanga, qui générait autant de millions de dollars. Et un monsieur comme celui-là, pendant autant d'années autour du président Joseph Kabila Kabange, voyant qu'il s'agissait là maintenant de la chute, de la fin du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, cette fois-là, il avait pensé à une seule chose, c'est que il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et aujourd'hui, il est en train de faire la même chose. Mais cette fois-ci, je veux lui dire, comme il s'était trompé la dernière fois, pensant qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, pour revenir être président, il a raté. Cette fois-ci, pas seulement il va rater, mais cette fois-ci, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi continuera son deuxième mandat. Il avait raté, on l'avait empêché de venir présenter sa candidature. Il avait été empêché d'entrer au Congo et venir présenter sa candidature. Ses partisans craignent que les mêmes méthodes, les méthodes Kabila, puissent se répéter parce qu'il a dénoncé, avant de sortir du pays, une autorisation de vol. Lui a pas été accordé, donc il est passé par la Zambie pour voyager vers le Qatar. Il est en train de dénoncer les méthodes Kabila sans Kabila. Est-ce que Katumbi va... Vous allez laisser à Katumbi, vous à l'Union sacrée, Katumbi venir présenter sa candidature? Personnellement, d'abord, je suis contre ce débat de nationalité ou je sais pas
d'appartenance à la nation congolaise et autres pour conditionner, je ne sais pas, telle candidature ou telle autre prise de fonction. Mais néanmoins, je veux dénoncer ici ce que j'ai eu à entendre, parce que vous venez aussi de le répéter, méthode Kabila concernant Katumbi. Pourquoi ces méthodes Kabila n'ont jamais été appliquées à un autre candidat? Ça pouvait se faire appliquer, je ne sais pas, à l'époque, il y a eu le candidat Noël Tchani, il y a eu le candidat Seth Kikuni, il y a eu le candidat Martin Fayoulou. Mais pourquoi on n'a jamais appliqué ces méthodes Kabila? Pourquoi seulement... Le même poids politique. Non. Il faut arrêter ces histoires de poids politique. Katumbi représente quoi? Pour parler du poids politique. Vous savez, nous devons avoir le courage. Nous devons avoir le courage, nous, surtout nous politiciens, nous devons avoir le courage de quitter cette culture politique populiste et faire la vraie politique. Okay. Le poids politique s'est fait voir au sein de l'Assemblée nationale. Le poids politique s'est fait voir au sein des institutions en général. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre être fort politiquement alors que derrière vous, vous n'avez même pas un élu. Pourquoi alors? Et je vous informe que jusqu'à la date d'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas d'élu. Moïse Katumbi n'a pas d'élu. Moïse Katumbi? Non, il n'a pas d'élu. Il n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale. À tous les niveaux. Comment il a des membres au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement? Mais sur base de comment il a fait pour avoir des membres au sein du gouvernement? C'est pour ça que je dis que nous devons quitter la politique populiste. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, vous me présentez AFDC. AFDC, qui est une structure reconnue, qui est à ses alliés, qui forme maintenant l'AFDC et alliés, reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est une force politique. Et l'AFDC alliée a des députés, a des sénateurs, députés nationaux comme députés provinciaux. De plus ou moins... Mais maintenant, nous parlons de Ensemble pour le changement, qui n'existe plus d'ailleurs. Parce que même, j'ai parlé de Serge Nyombe, j'ai parlé de Mike Mukeba, ils l'ont dit plusieurs fois, qu'Ensemble en marche n'existe pas. Ensemble en marche, c'était juste une coalition de compatriotes qui se sont mis ensemble, chacun avec sa force politique, comprenez? Vous aviez eu chacun avec sa force politique G7 qui était avec Pierre Lumbi. Vous aviez eu pas Pierre Lumbi. Je crois, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui était responsable de G7. Vous aviez eu MS et Alliés. Vous avez eu je ne sais pas l'autre là. Donc chacun est venu avec sa force politique. Ils se sont réunis tous ensemble. Et ils se sont dit, bon, comme nous sommes tous ensemble déjà élus, vous comprenez, parce que là, ce sont des regroupements qui ont été élus avec des députés élus, ils se sont maintenant cette fois-là dit, ok, nous allons avoir au moins un représentant, c'est lui qui va commencer à négocier en notre faveur auprès des institutions, auprès de dirigeants. Et là, ils ont choisi un monsieur qui était neutre. D'ailleurs, cette fois-là, un monsieur qui était neutre, qui s'est retrouvé dans aucun de ces camps, dans aucun de ce regroupement politique, et c'est monsieur Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, si on arrive au niveau de l'Assemblée nationale ou encore dans n'importe quelle assemblée provinciale, Moïse Katumbi représente zéro. Moïse Katumbi représente zéro. Il est en train de dénoncer aussi le fait que, comme je l'ai dit tantôt, les méthodes Kabila... Le juge Batou Benga qui a dénoncé les pressions dans cette affaire qui a concerné Moïse Katumbi et l'homme d'affaires Beferadi. Et non seulement ça, il se rappelle en 2017, en 2016, où Katumbi était face à Stupis, où la juge Ramazani
avait dénoncé aussi les mêmes pressions. On est devant la répétition de l'histoire. La répétition de l'histoire, j'aime ça. Vous savez, il faut éviter à ce que cette histoire que le Katanga a connue pendant que le président Moïse Katumbi était à la tête de cette province se répète maintenant au niveau national. Il a très mal géré le Katanga. Mais vous aviez eu deux symboles de la province du Katanga qui sont tombés sous sa gestion. La Gécamine et la SNCC. Et pourquoi? Et pourquoi? Pendant ce temps... Mais lui dit que l'économie au Katanga était florissante. Il avait laissé le dollar à 90. À 90. Il était Premier ministre. Il était gouverneur du Katanga. Le Katanga était la province qui était la plus pourvoyeuse au budget national. Vous voyez, ça ce sont des débats. Ça, ce sont des débats de la rue. Ce sont des débats où des gens, sans réellement avoir la connaissance de la gestion de la République, peuvent commencer à échanger ou à avoir... Moi, je ne peux pas entrer dans ce débat-là. Un gouverneur influence quoi l'économie nationale d'un pays? En quoi un gouverneur d'une province peut influencer l'économie? Permettez, je vais vous donner juste un exemple. Vous savez... Non, permettez, monsieur Dan. Permettez, s'il vous plaît, permettez. Vous savez, un gouverneur, là où nous, dans un pays sous-développé comme le nôtre, parce qu'il faut qu'on se le dise, on doit avoir ce courage, dans un pays... sous-développé comme le nôtre. Les premières œuvres que le gouverneur devait faire, ou les premières décisions que le gouverneur devait faire, devait prendre, c'est aménager ou réhabiliter ou encore construire les routes des dessertes agricoles. Mais dites-moi, Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, vous savez que le maïs pourrissait au niveau de Kamina, dans le nord Katanga. Les maïs pourrissaient. Le maïs ne pouvait pas arriver à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que avant que Moïse ne soit gouverneur, on avait le train de la SNCC qui prenait le maïs du nord pour amener au sud. Mais après qu'il est parti, mais le maïs ne pouvait même plus arriver. Pourquoi? Parce que la SNCC est tombée en faillite, a été dépiécée pour des intérêts individualistes. Et pas seulement ça, la route même des dessertes agricoles n'existait plus. Et ça, c'est juste le cas de la SNCC, de Kamina. Il y a le cas de Kilelabalanda. De Kilelabalanda à Likasi ou Kilelabalanda à Kipushi. Ce sont des routes qui existent là qu'on n'a jamais touchées. Et aujourd'hui, si je suis en train, moi personnellement, de dénoncer la mauvaise gestion de ma province, le Haut-Katanga, c'est parce que un gouverneur n'a pas que le Lubumbashi comme province. Un gouverneur du Haut-Katanga, c'est à l'intérieur où nous devons le sentir. C'est dans le fin fond que nous devons le voir. Après... Et là, nous devons le voir d'abord par... connecter le coin reculé de la province où se produisent les produits agricoles, le connecter à des zones commerciaux, à des zones commerciales plutôt. C'est là où nous sommes en train d'attendre le gouverneur. Mais si Moïse Katumbi n'a jamais fait cela, en quoi vous allez aujourd'hui me dire qu'il est un bon gestionnaire? Parce qu'il a construit le stade Mazembe. Parce qu'il a construit... Non, permettez... Routières. Il dit qu'il a laissé quelle infrastructure routière? De 900 km de route asphaltée. Oui, je le reconnais. Ce qui n'a jamais été fait avant l'indépendance. Je le reconnais. Moïse Katumbi a construit les routes dans la commune de Kamalondo. La commune de Kamalondo qui est la commune où se trouve le stade Mazembe. Seulement. Moïse Katumbi, permettez, je vais finir. Moïse Katumbi, je le reconnais. Il a construit les routes qui menaient à tous ses ministres provinciaux, les membres de son gouvernement. Oui, Moïse Katumbi a construit ses routes. Et oui, ça c'est vrai. Mais c'est où? C'est à Lubumbashi. Pendant ce temps-là, pour arriver, comme je viens de vous le présenter, pour arriver à Kilelabalanda, les gens
continue jusqu'à aujourd'hui à faire 7 jours pour arriver à Kilela Balanda. Et ça, vous trouvez normal? Non, ce sont des choses qu'on doit se le dire. Mais, vous savez, on doit quitter ce niveau-là populiste de nous dire ici, moi, quand j'étais gouverneur, quand vous étiez gouverneur, qu'est-ce que vous avez fait? À son actif, aucun hôpital construit. À son actif, aucune école construite. À son actif, aucun développement communautaire a été initié pour permettre à ce que ceux-là qui sont en train de vivre pratiquement de leur métier artisanal, ils peuvent un jour se retrouver à avoir un compte bancaire quelque part dans une banque. Katoubi dit, quand il est arrivé à la province, à tête de la province, le budget national, le budget de la province était pratiquement un budget insignifiant. Il a remonté, il est devenu la province, il a fait de la province du Katanga à l'époque la province la plus prometteuse, la plus pourvoyeuse au budget national. Ça, c'est le tableau qu'il a peint pour dire, depuis qu'il est parti, les choses ont dégringolé. Vous savez, j'ai eu la chance, même si je n'avais pas le niveau politique que j'ai aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'être membre de la FDC à l'époque de Kabila. Donc, de la FDCA plutôt, à l'époque de Kabila. Donc, il y a des choses que nous avions connues. Et ce n'est pas à moi qu'on peut informer certaines histoires concernant la gestion de ma province à l'époque, le Katanga. Vous voyez, lorsque le gouvernement national initie la création de péages qui n'existent pas avant, on initie la création de péages avec le Foner pour prélever les taxes par rapport aux véhicules qui circulaient sur la route. Seulement pour le Katanga, vous avez le péage de Lualaba, vous avez le péage de Luambo, vous avez le péage de Buluo, vous avez le péage de à l'entrée de Lubumbashi, j'ai oublié le nom. Non, à l'entrée de Lubumbashi, Likasi Lubumbashi. Vous avez le péage de le péage de Kimbembe. Vous avez le péage de du côté route Kasumbalesa et Lubumbashi Kasumbalesa. Vous avez le péage de Kisanga et vous avez le péage de l'entrée de Kasumbalesa. Donc vous aviez seulement dans la province du Katanga à cette époque, vous aviez 6 péages. Et ces 6 péages n'existaient pas, bien sûr, avant que Moïse ne soit gouverneur. Mais ce n'est pas l'initiative du gouverneur. C'est l'initiative du gouvernement national. Et cet argent, ce n'est pas Moïse qui le récoltait. Mais voilà comment le Katanga a produit de l'argent pour le compte du trésor public. Et pas seulement ça. À l'époque, on savait qu'il y avait des individus qui entraient comme ils voulaient avec leurs marchandises au niveau de la douane de Kasumbalesa. Mais il y a eu des renforcements, bien que malgré cela, il y a eu certains individus, je ne dirai pas de nom ici, et qui d'ailleurs se retrouvent toujours dans l'entourage du président Moïse Katumbi, qui ont fait de magouille et de magouille pour faire passer leurs biens. Mais ce renforcement a permis à ce que, au niveau de la douane, qu'on puisse voir une augmentation des recettes au niveau de la douane. La douane de Kasumbalesa, qui est où? Qui est au Katanga. Donc ce n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ce qu'il pouvait nous dire ici, en tant que gouverneur, j'ai créé autant d'emplois dans ma province.
et créer autant d'emplois dans ma province, c'est quoi? Commencez d'abord par le route à dessert agricole. Allez toucher les cultivateurs. Et non pas être le seul à créer, je ne sais pas, un champ ou encore une concession agricole de 100, de 10 000 hectares à toi seul. Et après, tu te dis, tu as fait quoi? J'ai créé l'emploi. Non, ça, ce n'est pas créer l'emploi comme un leader, comme une personnalité administrative. D'accord. On va parler de l'AFDC. Avant de parler de l'AFDC, une question particulière. Katumbi dit qu'il va partager le bilan de l'Union sacrée de la Nation. Le bilan, c'est le bilan du chef de l'État. Votre réponse? Tout simplement l'inconscience intellectuelle. L'inconscience intellectuelle. Comme je l'ai dit, il a fait avec Kabila Joseph. Il le fait aujourd'hui avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce qu'on l'avait forcé de venir à l'Union sacrée? Non, on ne l'a jamais forcé. Il est venu et il est parti. Donc, c'est un monsieur, je crois que avec déjà ces deux exemples, tous les autres présidents de la République qui viendront pourront déjà comprendre que ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut travailler. Par rapport au bilan. Mais c'est comme ça que je suis en train de vous dire, c'est l'inconscience intellectuelle. Néanmoins, s'il refuse le bilan, mais c'est tout simplement parce que il veut à tout prix le pouvoir pour le pouvoir. Il veut à tout prix le pouvoir pour le pouvoir. Parce que pour moi, on n'est même pas au niveau de parler ou encore d'évoquer le bilan. Parce que nous aurons le temps de le présenter, de présenter le bilan. On a encore une année pleine pour réaliser les promesses du chef de l'État. On a une année pleine pour voir le fruit. Il dit qu'il avait déposé son cahier de charge. Quand le chef de l'État a appelé à l'Union sacrée, il a déposé son cahier de charge. Son cahier de charge n'a pas été respecté. Son cahier de charge prenait en compte d'abord le quotidien, le social de la population, ce qui n'a jamais été le cas dans la gouvernance de l'Union sacrée de la Nation. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas partager ce bilan, parce que son cahier de charge n'a pas été pris en compte. Monsieur Dan, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un chef de l'État qui nomme son gouvernement avec un chef du gouvernement. Et vous, vous venez avec votre cahier de charges pour faire quoi? Pour apporter, parce que nous voulons non. Mettre fin à cette... Vous voyez, ça, c'est ça le problème lorsque, en politique, vous ne considérez pas les forces politiques existantes, et là je parle de familles politiques bien structurées, comme c'est le cas de l'AFDC, comme c'est le cas du MLC, comme c'est le cas de ACO, ainsi de suite. Mais vous commencez à penser que la politique s'est fait d'une manière individuelle. Ce que je veux, c'est ce qui doit se faire, qui doit se réaliser. Alors que dans un gouvernement, quand vous arrivez dans un gouvernement, le chef de l'État a sa vision. Et la vision qui concrétise sa vision, c'est le Parlement, le gouvernement. Le gouvernement concrétise la vision par un programme. Et ce programme tient en compte de projets des sociétés de chaque partie prenante au gouvernement. Donc, le projet de société de la FDCA, le projet de société de l'UDPS, le projet de société de ACO, et non pas, je ne sais pas comment, préalable, qu'est-ce qu'il dit encore? Cahier des charges. Cahier des charges de Katumbi, ça n'existe pas. Dites-moi, si nous arrivons à gérer ce pays, parce que M. Dan a son cahier des charges, Eloge a son cahier des charges, je ne sais pas, Katumbi son cahier des charges, Fayoulou son cahier des charges, mais ça sera un pays de 100 millions de cahiers des charges. Et qu'allons-nous faire? Vous comprenez directement que M. Katumbi est incapable de confédérer autour de lui des Congolais qui pourront mettre en place un projet de société au nom duquel ils vont se battre
et obtenir le pouvoir. Le monsieur est à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Vous étiez réunis pour quel projet de société à l'Union Sacrée de la Nation? Non, le projet des sociétés ne sont pas au niveau de l'Union Sacrée, comme je vous dis. L'Union Sacrée, c'est la vision. Permettez, l'Union Sacrée, c'est la vision du chef de l'État, la vision qu'il a pour le pays. Et cette vision qu'il a pour le pays devra maintenant se faire, devra maintenant se concrétiser par les actions du gouvernement. Et ces actions du gouvernement sont présentées comme programme au niveau de l'Assemblée nationale qui a été votée. C'est comme ça que le gouvernement existe. Et quand on vote ce programme du gouvernement, on peut dire que c'est l'ensemble des cahiers des charges de familles politiques structurées, reconnues par l'État congolais, et non pas des individus qui viennent avec des cahiers des charges. Monsieur Katumbi, s'il y a un conseil que je vais lui donner, d'ailleurs je ne pense pas que je dois lui donner un conseil, s'il y a un conseil que je vais donner à ceux-là qui pensent, permettez, à ceux-là qui pensent que Monsieur Katumbi pourra faire quelque chose pour la RDC, c'est de leur dire aujourd'hui, vous vous trompez et arrêtez de vous tromper. Parce que M. Katumbi nous a prouvé noir sur blanc qu'il est incapable de fédérer des Congolais autour de lui pour présenter un projet de société qui fera de sorte que nous puissions voter sur base de ce projet de société. Est-ce que, je vais revenir sur ma question que j'ai posée tantôt, est-ce que Katumbi aujourd'hui peut-il être accepté comme candidat président de la République? Accepté comme président, comme candidat président de la République, par qui? Notamment, on va dire, par la justice. Par la CENI d'abord, ensuite validé par la justice. Vous savez que nous sommes une république, et une république a ses lois. Nous devons respecter nos lois. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous répète encore, parce que je vous l'ai dit, nous avions eu, à l'époque, tout le monde dit, même lui-même m'a dit, par ses acolytes, les méthodes Kabila. Mais je vous pose la question, il y a eu autant de candidats. Pourquoi ces méthodes Kabila ne concernaient que Katumbi? Pourquoi c'est seulement Katumbi qu'on a bloqué, soi-disant bloqué, alors que ce sont nos textes, nos lois qui l'ont bloqué? Pourquoi on n'a pas bloqué Fayulu? Pourquoi on n'a pas bloqué Sekikuni? Pourquoi on n'a pas bloqué Madame Ifoko? Pourquoi on n'a pas bloqué Noël Tiani? Ainsi de suite. Pourquoi seulement lui? Donc c'est à lui de se poser des questions. Vous n'allez pas tout de même me dire ici que Kabila, ou encore le camp Kabila à l'époque, était content d'avoir autant de candidats, sauf un seul candidat. Donc à l'époque, Katumbi ne remplissait pas les critères, selon vous? Oui, je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas été candidat, qu'il n'a pas été accepté comme candidat. Le chef de l'État, appliquant la décrispation notamment du dialogue de la Saint-Sylvestre, il va libéraliser l'espace politique, il va libérer les prisonniers politiques. Moïse Katumbi va recouvrer son passeport diplomatique. Il va revenir au Congo pendant qu'il avait déjà perdu son passeport diplomatique. On l'a accusé de tous les noms. Aujourd'hui, il est au Congo, il est congolais. Il a même adhéré à l'Union Sacrée de la Nation, la famille politique du chef de l'État. Donc là, on le considère comme étant congolais. Et de se croire avec tous les droits et tous les privilèges reconnu. Est-ce que le Katumbi qui était à l'Union Sacrée de la Nation et le Katumbi qui est aujourd'hui opposant sont deux personnes qui vont s'opposer? Ou une personne qui va perdre ses qualités? Monsieur Dan, d'abord, ne faisons pas de notre chef de l'État un dictateur. Ça, c'est trop dangereux. Le chef de l'État ne crée pas ou initie de loi. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État. J'ai pas dit ça.
Parce que là, vous voulez expliquer, vous voulez faire comprendre aux gens que le chef de l'État, en décrispant la classe politique, donc, il peut faire de qui il veut congolais. Non, ce n'est pas dans son rôle. Non, non, non. Le chef de l'État, je ne me rappelle pas trop bien de l'article, le chef de l'État octroie le passeport diplomatique à qui il veut. Le chef de l'État envoie en mission diplomatique qui il veut. Je parle de la décrispation politique. Permettez, j'ai déjà compris. Pas seulement des Congolais. Vous avez vu les cas ici de Jean-Claude Van Damme. Il n'est pas Congolais. Il a un passeport diplomatique. Donc, ce n'est pas du fait que le chef de l'État, pour décrisper le climat politique, il donne un passeport à Moïse Katumbi. D'office, il fait de Moïse Katumbi président Congolais. Non, ce n'est pas dans son rôle. Donc, si ceux-là qui sont habilités de savoir si Éloge Mwando est Congolais, le disent que Éloge Mwando est Congolais, mais ce n'est pas au chef de l'État de venir dire à ceux-là comme quoi Éloge Mwando n'est pas Congolais. Si ceux-là qui sont habilités de dire que Éloge Mwando n'est pas Congolais, ce n'est pas au chef de l'État de venir prouver si Éloge Mwando était Congolais ou pas. Donc ne mettez pas le chef de l'État dans ces histoires de Katumbi. S'il vous plaît, on ne met pas le chef de l'État. Ce n'est pas vous. Là, je suis en train de m'adresser à tous ceux-là qui sont en train d'entrer dans ce débat. N'amenez pas le chef de l'État dans ce débat. Parce que plus on est en train de l'amener dans ce débat, plus ce débat devient de plus en plus populiste, plus on risque de nous retrouver dans une situation où on veut imposer au chef de l'État de déclarer tel ou tel est Congolais, tel ou tel n'est pas Congolais. Ce n'est pas dans son rôle. Donc que Katumbi ait le passeport congolais ou pas, cela ne fait pas de lui Congolais. S'il y a de ceux-là qui se connaissent Katumbi, vous savez, moi personnellement, permettez. Dans la nationalité, vous accordez la nationalité déjà. Non. Je vous ai dit, Jean-Claude Van Damme, il est Congolais. Ça, c'est un passeport diplomatique. Ah, mais. Ça, c'est un passeport diplomatique. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose avec le passeport de Katumbi. C'est un passeport diplomatique. Oui, il a un passeport diplomatique. Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, moi, je connais. M. Katumbi, bon, pas personnellement, mais je connais comme un homme d'affaires au Katanga. J'ai grandi, j'ai connu M. Katumbi comme un grand homme d'affaires d'ailleurs. Un monsieur qui a bien géré son équipe de football Mazembe, bien que moi je sois de Lupopo. Oui, ça je le connaissais. Et par après, j'apprendrai que... dans ces affaires, il y a eu à boire et à manger. Je commençais à voir certaines révélations, certaines déclarations. Nous apprenons et nous connaissons beaucoup. Et donc, si il arrivait à ce que hier, il a eu le problème avec Stupis, aujourd'hui avec Beveragi, vous comprenez que c'est toujours lié à des millions de dollars. Et le monsieur est toujours intéressé par ce qui est lié aux millions de dollars. Et c'était le cas comme gouverneur et ça sera le cas comme candidat à la présidence. Mais moi ici, permettez que je termine pour que les gens ne puissent pas me prêter de mauvaises idées. Moi ici, je ne dis pas que Katumbi n'est pas Congolais parce que je ne suis pas habilité de le faire. Je ne dis pas que Katumbi est Congolais parce que je ne suis pas habilité de le faire. Mais seulement, nous devons nous plier au respect de la loi. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous devons nous plier au respect de la loi. Donc, l'exclusion de M. Katumbi, s'il n'est pas Congolais, en réalité, il doit être exclu. Ça ne dépend pas de moi. Non, c'est la loi. De ceux qui diront la loi. Voilà. Alors, M. Éloge Mwando, vous êtes aujourd'hui à l'Union Sacrée de la Nation. Je parle de votre famille politique. Hier, vous étiez chez Kabila, dans le FCC. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'Union Sacrée de la Nation? Pourquoi avez-vous rejoint l'Union Sacrée? Première chose,
Nous, comme famille politique, nous avions choisi d'accompagner la vision du chef de l'État à l'époque, Joseph Kabila Kabange, parce que, comme je vous ai dit, la vision de Joseph Kabila Kabange rencontrait le projet de société de notre parti politique. Donc, on a acheminé avec lui, il y avait ce qui était réalisé. En 2011. Oui, en 2011, il y avait ce qui était réalisé et ce qui n'était pas réalisé. Donc, de 2011 à 2016. Mais maintenant, il y a eu le glissement accordé par les accords de la Saint-Sylvestre. Et là, on ne parle plus de la vision, parce que l'accord, c'était pour organiser des élections. Donc, pour dire que nous pouvons parler de la vision de Joseph Kabila de 2011 avec, vous à aviez 2016. Échoué, vous aviez accompagné le président Kabila pendant 5 ans. Oui. Vous aviez réussi dans votre... Pendant les quinquennats, est-ce qu'il est un quinquennat réussi ou échoué? C'était un quinquennat réussi. C'était un quinquennat réussi, bien que avec beaucoup, alors là je vais dire beaucoup de dérapages de certains individus et bien sûr de certains acteurs. Et après, il y a une nouvelle, il y a des élections qui arrivent. Mais avant d'en arriver là, quels sont les fruits de la réussite de votre... les cinq dernières années du président Kabila à la tête du pays? Quels sont les fruits palpables de cette réussite-là? Parce que d'aucuns attribuent l'échec patent du pouvoir de M. Joseph Kabila. Quels sont les éléments contradictoires par rapport à ça? Moi, je vais vous donner juste un cas. Lorsque le président Bahati était ministre du travail. Oui. Vous aviez une entreprise comme la CNSS, une entreprise comme l'INPP, qui sont des ministères sous tutelle, qui sont des entreprises sous tutelle du ministère du Travail. Personne, le jeune que nous étions à l'époque, personne ne pouvait envier aller travailler à la CNSS à cette époque. Ou encore à l'INPP à cette époque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a eu des réformes que le président Bahati, comme ministre à l'époque, a initiées dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, la CNSS, c'est l'une des plus grandes entreprises publiques à la République démocratique du Congo. Avec un budget colossal, avec des biens immobiliers répartis partout en République démocratique du Congo. Ça, ce sont les initiatives du président Bahati Lukwebo. Il part à l'économie. Vous savez, nous sommes un pays qui ne produit pas du carburant. Nous dépendons de l'extérieur. Et en général, nous disons que nous sommes une économie extravertie. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur nous influence. Mais pendant qu'il était ministre de l'économie, alors qu'il y avait grogne partout, presque partout en Afrique, mais en RDC, au moins la gestion, la stabilité au niveau du prix était palpable, était réelle. Donc, il a su maîtriser à un niveau bien défini pour permettre le prix pour permettre à ce que le Congolais ne puisse pas subir tous les effets négatifs qui se produisaient à l'extérieur de notre pays, vu que nous sommes un pays, une économie extravertie. Donc voilà les quelques exemples que je peux vous donner de réalisation. Et il y en a beaucoup, mais comme je vous ai dit, il y a eu quelques dérapages, quelques individus tellement zélés, qui faisaient du n'importe quoi. Et aussi, je reconnais que l'état de droit était pratiquement inexistant à cette époque. Alors, l'état de droit était inexistant à l'époque de Kabila, on est maintenant à l'époque de Tshisekedi.
Qu'est-ce qui vous a alors convaincu, après avoir été radié d'abord de l'Union sacrée du Front commun pour le Congo? Vous savez qu'on est des abords judiciaires avec une frange qui est partie au FCC. Après, vous êtes maintenant devenu membre de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le président Tshisekedi? Et quel est votre apport dans l'Union sacrée? Première chose. Vous savez, le président Tshisekedi est élu. Élu, il y a eu des négociations entre le FCC et le CACH. Pendant ces négociations-là, il fallait faire de sorte que nous créions un gouvernement qui devra cette fois-là concrétiser la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État qui était le peuple d'abord, l'État de droit. Mais vous vous rendez compte qu'au sein de la famille FCC, il n'y avait pas cette volonté, mais on préparait carrément comment bloquer la réalisation de cette vision. Le chef de l'État. Oui. Alors, nous n'étant pas d'accord, normal que nous soyons expulsés du FCC. Et nous l'avions accepté. Mais ce que nous n'avions pas accepté, c'est que le FCC voulait cette fois-là nous arracher même le droit de nous exprimer. Nous arracher le droit de nous exprimer, c'est en dédoublant notre parti politique. Nous rendre, nous, illégitimes, illégales. Donc, nous nous sommes dit, nous allons nous battre. Et nous nous sommes battus. Et le chef de l'État nous a prouvé réellement qu'il était attaché à sa vision. Il était vraiment engagé à concrétiser sa vision, qui est le peuple d'abord et l'État de droit. Et il nous a remis dans nos droits. En nous remettant dans nos droits, un monsieur pareil, vous ne pouvez que cette fois-là accompagner cette vision. Je crois que ici, nous faisons partie, nous comme famille politique, nous faisons partie de premiers bénéficiaires de la vision du chef de l'État. À la FDC. Nous, à FDCA, nous faisons partie de premiers bénéficiaires de la vision du chef de l'État. Nous remettons dans nos droits. Et voilà, nous nous sommes dit, ah, le monsieur qui nous remet dans nos droits, c'est quoi sa vision? Sa vision, c'est l'État de droit, le peuple d'abord. Alors, nous allons l'accompagner et je vous informe, déjà quand vous regardez notre projet de société, vous trouvez la partie qui parle de l'état de droit et vous trouvez la partie qui parle du peuple d'abord. Donc nous nous disons, c'est une vision qui rencontre notre projet de société. Est-ce que nous devons dire non à une telle vision, alors que nous avions pris l'engagement. C'est quoi? Nous avions pris l'engagement. Pour finir, monsieur Eloge Mandé, on a plus le temps. C'est quoi la différence entre l'Union sacrée et le FCC? La différence entre l'Union sacrée, c'est déjà les visions. Vous avez le chef de l'État, Joseph Kabila, qui avait sa vision. Vous avez de l'autre côté le président Félix Tshilombo Tshisekedi qui avait sa vision. Mais le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec les mêmes hommes, deux visions différentes. Mais d'abord, ce n'est pas avec les mêmes hommes. Ça, je vous dis d'office, ce n'est pas avec les mêmes hommes. Mais vous pouvez... Il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé, comme on dit. Oui, traversé. La majorité. Oui, oui. Mais dire qu'il y a avec les mêmes hommes, non. Mais vous savez, c'est comme les équipes de football. J'aime beaucoup le foot. Vous savez, l'équipe d'Argentine avait eu combien de coachs après 86, quand ils ont eu la Coupe du Monde avec Maradona? Ils ont eu autant de coachs. Autant de coachs. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un coach qui a gagné pour eux la Coupe du Monde aujourd'hui. Mais néanmoins, ce coach-là était l'adjoint du coach qui a démissionné, qui a raté trois coupes. La Coupe du Monde de 2000... la Coupe Copa América
deux fois Copa América et la Coupe du Monde de 2018. Il a raté. Ce coach a démissionné. Il est parti. Et le coach Lionel Scaloni, quand il prend l'équipe, mais il n'a pas chassé le joueur. Il a récupéré le même joueur, mais il gagne avec eux. Donc c'est un problème de vision. Le coach a sa vision. Et c'est pareil aussi pour notre pays. Vous pouvez utiliser éloge où vous voulez, comme vous le voulez, mais le problème c'est vous. Quelle est votre vision pour le pays? C'est là où moi je suis en train d'interpeller le peuple congolais avec, concernant tous ces gens-là qui sont en train de se présenter aujourd'hui, s'autoproclamer candidat président, comme si une fois vous déclarez candidat président, vous devenez déjà président élu. Merci. Donc, merci beaucoup. Je t'appelle vraiment. Une dernière question simple. Une dernière question. Est-ce que le président Tshisekedi part favori aujourd'hui à ces élections, à l'élection présidentielle? Je ne vois pas d'autre candidat qui peut tenir tête à Félix Tshilombo Tshisekedi. Et surtout, si vous savez qu'il a comme professeur Bahati Lukwebo derrière lui, un monsieur qui maîtrise bien les stratégies politiques de ce pays, et je ne vois pas comment Félix Tshisekedi va échouer. Et je peux même vous garantir, avec la FDCA, l'Union Sacrée part pour une majorité parlementaire aussi. Vous avez la même vision? Oui, la même vision est là. Le même projet de société? Oui, oui. Merci beaucoup, monsieur Eloge Mwandwe. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro d'Entre les Lignes. C'est vrai, la matière est vraiment large et assez abondante. Je pense que nous en débattrons prochainement. Nous échangerons prochainement sur d'autres questions d'actualité avec, bien évidemment, monsieur Eloge Mwandwe, s'il voudra bien. Encore une fois, répondre à notre invitation. Nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Congo Buzz Télévision. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com.